Itadakimasu. On est parti pour un nouveau petit voyage père-fils. On va à... Ah, celle-là, je vais plus la... On a fait un petit détour par la ville de Okazaki, histoire de quitter un petit peu l'autoroute. On n'est pas très loin de Nagoya et de la ville de Toyota. Et puis on va aller voir le château de Okazaki. Link no camera. Ah, et c'est Link qui va filmer apparemment. Tu regardes l'écran ici. Et quand tu veux enregistrer, appuie sur le bouton rouge. Tu me vois? Prends le mot de tête. Dragon. Alors, du coup maintenant on s'arrête tous les 3 mètres hein, littéralement dès qu'il y a un insecte, une feuille, une pierre, quelque chose à filmer. C'est la première fois avec Link qu'on va voir un temple médiéval japonais. Moi j'en ai déjà vu plusieurs, mais Link, je crois que c'est la première fois. Il me dit que non, mais je sais pas avec qui il est allé. On arrive au dernier étage. Il y a 2 ou 3 étages d'exposition avec des armures, des katanas. C'est très intéressant, enfin, relativement intéressant. Et la récompense dans le château, c'est toujours la vue. Link fait un cadeau aux abonnés Club Japon. Club Japon. C'est pas mal, hein? 400 yens quand même. Ok, c'est bon, c'est bon. Faut enlever ses chaussures ici. Lumière. 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 Comment trouver la lumière? C'est pas ça? Non. C'est pas incroyable. Vas-y. Oh merde. Ça, ça allume rien. Ah! Voilà. Oh la belle chambre. Étant donné qu'on est dans un bon hôtel et qu'en plus on est crevé, on s'est fait livrer le repas dans la chambre. Je pense que c'est la première fois que je me fais livrer un repas à l'hôtel. On s'est fait plaisir. Ok. On y va? C'est parti, c'est tellement excitant, je crois que je suis le plus excité des deux. Oui. C'est immense et c'est magnifique. Moi je suis fan de décor, rien que de marcher, j'ai même pas besoin de faire d'attraction, rien, je suis super content. C'est vraiment génial. Regardez-moi ça. Oh! Ah!
mon Dieu. Oh mon Dieu. Tellement bien cette attraction, j'ai du mal à croire qu'il y avait que 15 minutes d'attente, c'est incroyable. Et je suis tellement content qu'il fasse beau parce que putain on est trempé. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'on fait après Link? On va peut-être pas faire les dents de la mer tout de suite parce que le pauvre. On va... Par là? Link, on va où? Ça va? Allez. C'est parti pour un tour de carrousel. Allez, c'est parti pour Snoopy. On va s'envoler pour un tour de... Au bureau, on a un fond vert et j'aimerais bien accrocher deux ou trois lumières en haut au plafond pour faire un bon éclairage. Regardez ce qu'ils ont dans cette pièce. On voulait faire du toboggan, le toboggan qu'il y a derrière nous là. Et bien c'est fermé parce qu'il y a une abeille. Link ? On va là-bas, on va voir Harry Potter. À partir de maintenant, on rentre dans le monde de la magie, des créatures mystiques et du Quidditch. Petit magasin de baguettes magiques, tranquille. Mais 4900 yens la baguette, 45 euros. Après, si ça marche. Il faut faire plus d'1m20 malheureusement pour rentrer, ce qui n'est pas le cas de Link, mais on peut quand même se balader à l'intérieur pour prendre des photos, des vidéos. Il y a pas mal de trucs qu'on va pas pouvoir faire aujourd'hui qui demandent de faire 120, 130, 132 cm. Donc on reviendra quand Link sera plus grand. On va manger ? Ils ont un truc ici qui s'appelle le grand festin, c'est énorme, ça donne trop envie. Normalement c'est pour 4, mais je me suis dit qu'avec Link, on pourrait peut-être arriver au bout. Mais monsieur voulait manger un roast beef. Donc on a abandonné l'idée, mais la prochaine fois... Et ça a l'air pas mal non plus, hein. Et puis en plus, on se rattrape avec le dessert. Encore une attraction mythique, j'espère que Link est assez grand pour la faire celle-là parce que j'aimerais trop la faire. Link ? We'll be right back.
Waterworld. On est encore parti pour voir un spectacle d'un film mythique. Donc avec eux. Spider-Man, une putain de bonne attraction. Et apparemment on va le refaire. C'est génial parce qu'il n'y a pas une attraction où on a attendu plus de 15 minutes. Trop bien. Oui, on va le refaire. Ima ? Ima ? Bon, on va le refaire maintenant. C'est bon ? Je vais vous dire un truc bizarre, j'adore les parcs d'attractions, genre j'adore les attractions et trucs comme ça, mais ce que j'aime encore plus, c'est regarder comment ils sont construits, comment ils sont organisés, et genre le moindre, presque le moindre boulon, je regarde, par exemple comment les télés sont fixées. Ah merde, il fait noir d'un coup. Par exemple, la façon dont les télés ou les haut-parleurs sont fixés au plafond, ben je regarde, les boulons sur les rambardes, je regarde, j'adore ce genre de trucs. Pas mal non plus les mignons, pas mon attraction préférée, mais c'était pas mal et il commence à faire presque nuit. On repart sur un Spider-Man pour la troisième fois. On va finir la journée sur un bon burger chez Mel's, un espèce de diner à l'américaine des années 60. Non, je ne mange pas toujours des burgers, c'est juste que les restaurants qu'on a fait avant étaient tous fermés. À 7h, tous les restaurants ferment. Et c'est peut-être le seul reproche que j'aurais parce que... C'est bon ? Et c'est peut-être le seul reproche que j'aurais parce qu'on a passé une journée excellente. Bon, on a eu le temps idéal, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on a attendu maximum 15 minutes d'attraction. C'est abusé, on a pu faire plein de trucs. Et j'ai adoré. C'est vraiment l'équivalent d'un Disneyland ou d'un Disney Sea au Japon. Le souci du détail, le staff qui est super sympa, le parc qui est vraiment très grand avec plein de shows et plein de trucs à voir. C'est vraiment diversifié, c'est super bien. Et encore, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 attractions qu'on n'a pas pu faire parce que Link est trop petit. C'est sûr que je vais revenir. C'était vraiment une journée, mais géniale. J'ai adoré ce parc. Le burger est pas terrible par contre. Je vais vous montrer les achats qu'on a fait parce que la dernière heure on s'est vraiment lâché avec Link. C'est un Allosaurus. On a acheté une petite boîte pleine de chocolat en cadeau pour le staff d'ici Japon. La même à gagner sur Club Japon. Si vous êtes inscrit, tentez votre chance. On a aussi la photo de souvenir avec Spider-Man. Ça fait un peu les boules de savoir qui découpe les pellicules de films comme ça. Mais je suis vachement content d'en avoir un bout pour moi. Ça conclut une journée excellente. Il ne reste plus qu'à faire 7 heures de trajet en voiture. Et on va pouvoir dormir parce que... Bye bye, à la prochaine. C'était bien ?